Yo les gars, c'est Rouyan. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Donc c'est ma première vidéo suite à la grosse mise à jour qu'il y a eu parce que j'avais quelques vidéos en avance, donc du coup ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné la carrière. Enfin vous, ça va pas trop changer parce qu'il y a toujours eu des vidéos, mais voilà. Donc du coup ça a rectifié certains bugs, dont notamment le fait que les grosses équipes jouent avec leur équipe B voire C. Ce qui est un peu dommage parce que bah, j'affronte le PSG. Donc j'aurais bien aimé affronter le PSG juste avant la mise à jour. Mais bon, c'est comme ça. Ça a aussi élevé le niveau de jeu. C'est-à-dire que avant je me baladais en ultime. Là maintenant je suis repassé en légende parce que j'ai fait quelques matchs avec une autre carrière. Et c'est beaucoup plus dur et c'est tant mieux parce que malheureux. Enfin, en étant honnête, mais avec Saint-Etienne, en ultime, je pense que j'aurais même eu moyen d'être champion honnêtement. Et ça aurait été un petit peu dommage. Enfin, pas très réaliste. Moi je veux galérer un petit peu. Donc du coup, je suis repassé en légende et c'est mon niveau. Et je pense que là, contre le PSG, je vais vraiment galérer. Donc ça, c'est plutôt une bonne mise à jour. Sinon, donc là, je vais remettre l'équipe type pour le match face au PSG, bien évidemment. J'ai juste Rémi Houdin, alors qu'il est dans l'équipe B. C'est parce que Nordin était fatigué, Bonga était fatigué, donc du coup, bah, il va être titulaire. Donc du coup, on va jouer le PSG, on va jouer Strasbourg et Rennes. Donc du coup, il n'y aura pas Ligue Europa dans cet épisode parce que les phases de poule sont terminées. On a fini premier largement même, donc on verra qu'on va affronter. Du coup, on va partir comme ça, les gars. Donc du coup, là, ça va peut-être changer de physionomie. On va voir comment ça se passe. En plus, je pense que dans cet épisode, on va recruter un buteur. Parce que j'ai envie de recruter un buteur. J'ai 20 millions, donc autant en profiter. Après, on verra ça tout à l'heure. Du coup, on va mettre l'équipe, le maillot B pour le PSG. Du coup, légende, 5 minutes. La pluie, un peu la flemme. Ouais, on va prendre au mois de décembre, je comprends. Mais on va mettre le temps clair. Pour jouer face au PSG, donc du coup, on est parti pour l'immersion de ce match. Let's go! Ah, c'est Sergi Roberto! Ça rappelle les souvenirs aux Parisiens, ça. Oh, attention, oh, attention! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Hors jeu? Oh yes! Oh, il est hors jeu! Bon, on se sent très très bien, mais là, on voit déjà que, bon, tu vois, niveau légende, c'est. C'était vachement augmenté. Ah ouais, il y a vraiment hors jeu, heureusement. Franchement, ce que Neymar. Ah ouais, il y a vraiment pas grand chose. Parce que Neymar avait mis, c'était vraiment violent. Oh là là, on est chaud là. Donc tant mieux pour nous. Et Kadri est parti. Oh putain, c'est chaud les gars. J'ai pas le temps de faire une passe. Oh là là. Oh là là, c'est trop chaud les gars, c'est trop chaud. C'est trop compliqué. Le mode légende, il est vraiment augmenté x 1000. Il était beaucoup. Voilà. Et... Bah, c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus réaliste parce que déjà, voir le PSG 15ème, c'était un peu chiant. Enfin, ça me dérangeait si c'était dérangeant parce que c'était pas du tout réaliste et voilà. On aime qu'une carrière soit un petit peu réaliste, mais là c'est. Ouais. Là ça va rager sa mère, ça va rager sa mère. Ils sont 16e gros, ils sont 16e. Donc faire une remontée au classement, on va rien comprendre. Au bois doux. Au bois doux, il y a un petit peu d'espace. Kazri! Oh oui! Wabi Kazri! On a la réussite, c'est notre première action, les gars. C'est pas du tout mérité, mais on prend. Première fois qu'on dépasse le but terrain, faut être honnête. Beau travail de Boadou, la passe pour Kazri. Et Kazri qui fusille le gardien parisien, ça fait un but partout, c'est son 6ème but en championnat, c'est plutôt pas mal. Du coup, on reste comme ça, de toute façon, on va souffrir tout le match. On a, voilà, l'objectif c'est d'avoir une occasion, de la mettre au fond. C'est ce qu'on arrive à faire, donc plutôt cool pour l'instant. Yes, mi-temps. Un but partout, on s'en sort bien parce que le PSG nous met vraiment la pression. Même si en termes d'occas, ça va, c'est pas... Ouais, voilà, bon, on voit qu'on est dominé, on a eu un tir, un but. C'est vraiment, c'est très chaud le mode légende. Mais tant mieux, comme ça le PSG va remonter au classement, ça sera beaucoup plus réaliste. Mais voilà, 5 tirs à 1, bon, on a eu une occasion, on l'a mis au fond, tant mieux. Mais là, ça va être très dur en deuxième, on va devoir subir tout le match, c'est ce qu'on fait déjà. Mais voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut, et puis pourquoi pas faire le même coup, hein, avoir une occasion, un but. Un joueur d'un, bien défendu. Aïe, 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 ah, ça pue. Ça pue. Oh là là, c'est horrible. On va craquer. Oh, Ruffy, merci mon pote. Il nous sauve la Icardi, là. Ouais, on essaie de remonter un petit peu le bloc. Non, non, non. Bien joué Ruffy. Corner encore. Encore corner les gars, on tiendra pas comme ça tout le match, c'est impossible.
C'est juste totalement impossible. Allez. Il saoule Verratti. Attention Icardi. Bien joué. Bien joué ça. Il faut garder un peu le ballon parce que franchement le ballon on l'a jamais frère. L'autre côté. Ça sort pas Debuchy. Bien joué. Oh. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait Traoré. Il avait le ballon, mais non, il voulait pas le ballon, il reculait, mais n'importe quoi. Ah, c'était une balle de but, ça. Bon, alors, en plus, on relance propre. Vas-y, Traoré, t'es parti. Oh, il est parti, Traoré, il est parti. Oh, il y a un coup à jouer. Oh, il y a un coup à jouer, les gars. Oh, il y a un coup à jouer. Encore. Encore, non. Oh, j'ai mal joué, les gars. Ah, les occasions comme ça, faut pas les rater. Enfin, faut rester concentré. Parce que derrière, ça peut faire mal. Ah ouais, ça pue là. Ah ouais. Ah, c'est largement mérité, mais c'est triste parce que voilà, on a une balle de 2-1. Derrière, on se rend le but. Et bon, c'est comme ça, les gars. Et là, clairement, il y a. Ouais, si, il y a un petit regret quand même sur cette action, mais bon. C'est quand même logique, hein. Mais ouais, le geste qu'il fait. Ouais, simple. Ça, c'est l'Icardi. Marque son premier but en Ligue 1, mais je crois que j'ai l'impression que ce mois, quand j'ai lancé ma carrière, je sais pas si il y avait, ah, si, il y avait les mises à jour, non, j'ai rien dit. Donc, ouais, Icardi, premier but. Oh là là. Seulement premier but pour lui. Quand par hasard, c'est contre moi, tu vois. Oh non, non, il a pas fait de passer non plus. Maintenant, faut se concentrer quand même, même si on perd. C'est pas grave, jusqu'au bout. Sors pas. Ouais, j'ose même pas mettre en offensive pour essayer d'égaliser parce que. On essaiera peut-être dans les 10 dernières minutes si. Jeu. Oh, à Traoré. Oh non, c'était pas pour. Bien joué. Il est parti. Oh, Traoré. Yes, les gars. Deux buts partout. Le doublé de Kasri. Ah, mais là, on prend aucun risque là. Aucun risque. On est réaliste les gars, clairement on a de la chance. Mais là j'ai pris aucun risque, déjà que tout à l'heure j'ai fait le con. Là, bas les couilles, doublé de Kasri, 7ème but en Ligue 1. On est mis sous pression, non, ça on arrive à se dégager. Oh. Non, putain ça passait les gars, il partait au but. Oh non. Non, pas un but à la dernière seconde, s'il vous plaît. Pff, oh ouais, mais sérieux. Je peux rien faire. Et Bern. Hein, c'est qui? Non, j'ai pas vu. Je connais pas. Je crois que c'était Bernat au début. Ah, c'est dégueulasse. Enfin, non, c'est mérité, mais je fais une perte de balle débile où je dois contrôler, prendre mon temps. Ensuite, bah voilà, et je me précipite. Et derrière, on se prend le but. Ah, c'est dommage. Bon, dernière action, les gars. Avec Adama Traoré. Et Kadama Traoré. Victoire. Ah, défaite. Défaite face au PSG. 3 buts à 2. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se rend un but en toute fin de match. Mais voilà, les gars. 12 tirs à 3. Il n'y a pas photo. C'est largement mérité. Mais voilà, le PSG en légende, c'est pratiquement impossible de faire quelque chose. J'ai failli faire un petit truc avec Kasri qui a mis un doublé. Avec Kadama Traoré qui a été très très bon, notamment avec sa vitesse. Il m'a fait beaucoup de bien. Même Boadou avec sa vitesse, il a été bon. Mais bon, c'est comme ça, du coup on reste sur le podium quand même. Mais du coup le PSG qui était 16ème avant ce match, et ben on va voir combien ils seront en fin de saison. Mais là je pense qu'en deuxième partie de saison ils vont faire une remontada. Ce qui est plutôt rare parce que d'habitude c'est plutôt eux qui subissent ces remontadas. Mais là je pense qu'ils vont faire très très mal. Du coup on est plutôt pas mal au classement quand même. Même si là c'est un autre championnat parce que du coup c'est en légende. Le niveau va être plus dur, on va plus galérer à prendre des points. Donc... ça va être dur de s'accrocher à cette troisième place, mais bon, on verra bien. Du coup, la match face à Strasbourg, là, je pense, sera à l'extérieur. Hongrie, gros, comme si j'allais sélectionner de la Hongrie. Du coup, Strasbourg, ils sont 6ème, donc ils sont très très bons. Ils sont très très bons, j'ai que 6 points de retard d'avance sur eux. De toute façon, on a moyen de mener l'équipe type encore, hein, parce que du coup, il n'y a pas de Ligue Europa, donc on va mener l'équipe type. Même si c'est vrai que dans le dernier épisode, l'équipe C m'a fait un super match, mais bon, je ne peux pas me permettre non plus de faire autant de tournées.
Surtout que là, le niveau est beaucoup plus dur. Légende Samut, ok. Prendre mon vie Rimoudin, du coup. On va mettre Nordin. J'ai envie de mettre Palencia. Et sinon, on va laisser comme ça, les gars. Et aussi, oui, j'ai pensé enlever Nadé des remplaçants. Je sais plus c'était quel abonné qui me l'avait dit. Je crois qu'il y en avait même deux. C'est vrai que c'était. Ouais, Nadé remplaçant, il servait totalement à rien. Du coup, il c'est bon. Il est plus dans les remplaçants. Donc, du coup, on va pouvoir partir comme ça pour ce match, les gars. On va essayer de faire ce qu'on peut. Let's go. Traoré part. Je veux ça, Traoré, super. Le centre deuxième poteau, Casri. Casri! Oui, Casri! Oh, il est incroyable, Casri! Oh, 3 buts en même pas 2 matchs là, c'est au bout de 10 minutes de jeu. Ah, c'est une machine de guerre, Casri, pour l'instant, dans ce début d'épisode. Ah, le beau centre Traoré, même le gardien, il aurait dû l'avoir normalement. Et Casri qui se jette, qui va sur le ballon, contrairement à son vis-à-vis. Et du coup, ça fait 1-0, alors qu'on était mis sous pression dès le début de match par Strasbourg. On arrive à marquer, mais on est ultra réaliste. Hein. Contre le PSG, on était très réaliste. Bah là, c'est pareil, donc franchement, tant mieux. Donc, on va se concentrer. Oh non! Encore! Bien joué! Oh la chatte! Un peu de réussite, ça fait du bien là. La barre transversale, quand j'ai vu que le centre pour Ayork, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Parce que Ayork, il est très grand. Oh, ta gueule, Pierre Ménès. Oh, Badou! Magnifique! C'est pas possible! C'est pas possible! Non, Boadou, ok, la première, mais la deuxième, tu dois la mettre là. Même la première, il doit la mettre là. Non, par contre, le contrôle était magnifique là de Boadou, il a fait tellement la différence dessus. Ah, on n'est pas très réaliste finalement. Oh la chatte. Elle est trop cool, elle est trop cool. Non, non! Non! Oh, Ayork, il a pas de chat, oh yes! Oh, Ayork, il a vraiment pas de chat, ça fait 2 fois que touche les montants. Bon, clairement, il aurait pu avoir beaucoup plus de buts des deux côtés, hein, parce que là, franchement, regardez les stats, mais ouais, bon, en fait, tous les tirs, c'est des occasions de but, hein, genre, Strasbourg avec deux tirs, mais c'est deux poteaux, deux barres. Et moi, bah, j'ai eu des grosses occasions, Boadou, j'ai eu Nordin, j'ai eu des actions qui n'ont pas eu, genre, à un moment, je déborde avec, bah, déjà, le penalty, j'aurais dû avoir une Nordin. Parce qu'il voilà, il y a contact, mais il se laisse pas tomber, du coup bah, il n'y a pas péno. Voilà, franchement, il y aurait pu y avoir 2-0, comme on pourrait perdre 2-1 aussi. Donc on va dire que 1-0, c'est logique. Mais bon, maintenant, il va falloir essayer de mettre le 2-0 parce que peut-être qu'ils auront un peu plus de réussite dans les demi-temps, les Strasbourgeois. Du coup, c'est parti. Une, deux. Oh, tu le bouffes. Oh, tu le bouffes, Traoré. Oh, tu le bouffes. Tu le bouffes. Tu le bouffes. Fini. Ah oui, la réussite les gars. C'est pas très beau, mais ça passe les gars, qui abaille 2-0. Ah oui, on a encore une fois la finition les gars. À chaque fois que je suis sur le côté, je fais le mauvais geste, hein, je tire sur le gardien. Mais derrière, ça revient sur Cabaye. Qui marque son premier but en Ligue 1, bien joué. D'habitude, il est plus passeur, mais là, il se retrouve buteur, donc tant mieux. Du coup, 2-0. Oh, la montée Palencia, la montée Palencia, la montée Palencia. Le petit centre pour Berić. Et oui, 3-0. Et Robert Berić de la tête, ça rappelle des bons souvenirs, n'est-ce pas, les Lyonnais? J'ai Berić. Ah, il lui a rajouté un peu de barbe, j'ai l'impression, de la mise à jour. En plus, il a un peu plus de barbe, donc cool. Mais magnifique, hein, Palencia la montée, magnifique. Et puis Berić, voilà, de la tête, on sait qu'il est bon, hein. Yes, 3-0. On s'en sort bien, franchement. Strasbourg, il poussait depuis qu'on a mis 2-0. Voilà, on était mis sous pression, mais. Mais voilà, on arrive à bien défendre, à bien défendre et surtout avoir un bon gardien, donc ça nous aide. Et puis derrière, on arrive à mettre les buts qu'il faut, notamment le 3-0. Donc là, c'est plié, on va essayer de se faire plaisir dans ces fins de match. Pourquoi pas marquer un autre? On va essayer de s'appliquer pour le centre. Kadama Traoré! Ouh, le centre était magnifique, dommage. Il va siffler. Et voilà, c'est terminé. Victoire 3-0. Franchement, c'est mérité. Même si c'est sévère pour Strasbourg qui ont eu quelques actions. Enfin, ils ont eu deux poteaux en première mi-temps. Après, ouais, non, c'est vrai que c'est sévère le 3-0. Palencia du match, il a été très très bon. Cabaye, très très bon. Ouais, tout le monde a été plutôt bon. Enfin, ça va. Il n'y a pas eu de joueurs nuls, surtout défensivement. Franchement, c'est très costaud. Le PSG qui fait. Ouais, en fait, le PSG, c'était juste contre moi que c'était bon. Ils font un contre Amiens. Donc la remontada, c'est peut-être pas pour tout de suite. Tant mieux d'un côté, parce qu'on a pas mal d'avance sur eux.
C'est pour qu'ils soient européens, bon, il va falloir qu'ils travaillent le PSG parce que là, ils n'ont plus trop droit à l'erreur. Bon, Adou qui prend en plus 1, c'est cool. Même Bachic, j'ai déjà 68 de général. Hein. Il est à plus 8 en une demi-saison. C'est pas mal du tout. Coach, oui, c'est bon. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas la Ligue Europa. Du coup, t'avais pas trop l'opportunité de jouer. Toujours ta place dans l'équipe, t'inquiète pas, Budbuz. Enfin, pour l'instant, tu l'as. Pour cette saison, en tout cas. Enfin, t'as ta place, t'es remplaçant, quoi, mais voilà, c'est déjà bien. Du coup, je me suis renseigné pour Haaland, je voulais voir son général. Là, normalement, ça devrait arriver, voilà, bah, parfait. Combien de général il a? Alors, ça, 76, ouais, très très bon. Ouais, bah, honnêtement, Haaland, je vais le recruter. Parce qu'Haaland, il est monstrueux. Vraiment, il est. Je fais une carrière avec lui, avec Guingamp. Je l'ai avec Guingamp, il est monstrueux. Donc je vais tenter de le recruter parce que j'ai 20 millions. Autant tenter de se faire plaisir un petit peu. Entre 16 et 23, donc on a moins de recruter du coup. On va faire ça maintenant, c'est parti. Bon bah voilà, on a recruté Alain Dega pour 18 millions. Voilà. Très très bonne recrue, on aura le temps de voir sur le terrain. Du coup on va avancer, donc bon là il n'est pas encore chez nous parce qu'il faut attendre quelques jours pour le mercato hivernal. À partir du 1er janvier il va nous rejoindre. Hop, les entraînements. Donc, Abby qui va bientôt passer à 68 aussi, c'est bien. Du coup, est-ce qu'il y a eu le tirage en Ligue Europa? Ça m'intéresse, les gars. Du coup, c'est bien. On est sur le podium, et si on gagne un prochain match, on revient à la hauteur de la deuxième place. Ça peut être intéressant. Du coup, Ligue Europa, oui. Oh putain, on joue Francfort, on n'a pas eu le meilleur tirage, les gars. J'aurais bien voulu jouer Armarby. Il y a plein de petites équipes. FC, SB, c'est pas ouf. Aalborg, c'est pas ouf. Ouais, on a eu un tirage. Ouais, bon, après, j'avoue qu'il y avait Manchester United, il y avait Dortmund. Ouais, on aurait pu avoir pire. Mais il y avait clairement mieux. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'au moins je retourne, on jouera chez nous. Donc voilà. Du coup, on avance. Mercato hivernal, Haaland qui va nous rejoindre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette recrue. Et du coup, on va voir qui sera remplaçant. Parce que du coup, Debuchy, non, Debuchy, on le garde. Cela, du coup, il va y avoir la place. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est du coup Boadou Kastri, ça marche plutôt pas mal, mais il y aura peut-être un des deux qui sera remplaçant. Peut-être pas, peut-être que Haaland sera remplaçant, on verra. En début, si je le garde. Hop. Entraînement, on va simuler. Donc je pense que. Putain, il y a Bachiche qui prend encore en plus 1. Il a pris plus 2 dans cet épisode, incroyable. Et Chichou Baboua là, qui prend encore en plus 1, 66 général, c'est parfait ça. Hop. On va avancer pour le match face à Rennes. Du coup, je pense que le match de Ligue Europa sera dans le prochain épisode. Enfin, je sais pas du tout en fait. Et je sais même plus, est-ce qu'on est encore qualifié en Coupe de France, Coupe de la Ligue? Je sais plus, on verra ça dans le prochain épisode. Transfert pour Mvila, je le garde Mvila. J'étais plutôt en bonne forme récemment, je me sens bien, je pense que vous n'allez pas me mettre sur le banc. Bah si. Désolé. T'es pas mauvais, mais le problème c'est que voilà, Cavani Mvila c'est très très bon et en plus de ça, t'es que prêté donc. Ah oui, bon, on aura un match du coup contre Nantes. On aura deux fois Nantes dans le prochain épisode. Ah ouais, là par contre, ouais. Là le mois février il va être lourd. Donc ouais, c'est pas tout de suite à Ligue Europa, on a encore un petit peu le temps. Du coup l'équipe B va pouvoir jouer contre dans le prochain épisode contre Nantes. Donc là on va pouvoir continuer à mettre une équipe type. Hop, maillot B, maillot extérieur. On va laisser la pluie, vas-y c'est l'hiver. Je vais du coup mettre Haaland. Je sais pas quel numéro il a, je verrai ça tout à l'heure s'il est pas bon le numéro. On va mettre Bouanga, Mvila, Cabaye qui a pris. Il a pris un plus à 33 ans, mais il est incroyable ce Cabaye. On n'est pas l'initial, il a fait une très bonne passe D. Trop corruffé, voilà, on va laisser comme ça. Sur le banc, on va mettre Boadou. Quand même. À la place de Doudin. Et voilà, on va partir comme ça. Du coup, on est parti pour les actions de ce match face à Rennes. On va essayer de s'imposer. Avec le premier match du Haaland, on va voir ce qu'il vaut. Du coup, let's go. Attention. C'est très serré pour l'instant. Il n'y a aucune occasion de part et d'autre. Les gardiens n'ont pas eu rien à faire dans ce premier quart d'heure. Mais peut-être là, il va avoir du boulot pour Ruffier. Ouais, il va avoir du boulot pour Ruffier. Oui, oh là là. Oh là là, bah oui. Il pouvait rien faire. Ouverture du score sur la première occasion du match. J'ai pas très bien défendu avec Colo là. Bah, ouais, mais je sais pas quoi. Tout le monde s'est écarté là.
Je contrôlais Colo et Perrin, il s'est écarté totalement, j'ai pas compris. Donc ouais, bon bah 1-0, ça commence très mal. Va falloir se réveiller, je fais les mauvais choix, mais Hollande aussi marche là, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais bon, je sais pas, on va pas chercher à comprendre. Troco, s'il te plaît. Oh non les gars, c'est quoi ça? Voilà, 2-0, on se prend une retournée en passe D, magnifique hein. C'est pas normal, Troco, il peut pas te mettre une retournée comme ça. 2-0 sur deux tirs, donc voilà. Parfois on a la réussite, parfois on l'a pas, bah là, c'est pas pour nous. Allez Hollande, résiste, résiste. Un joueur Hollande, super! Oh super, voilà, là c'est bien joué, c'est ce que j'attends d'Hollande. Techniquement c'était bon, puis il a un très bon pied gauche aussi. Même si il a pas pu la mettre. La première frappe du match. Dommage qu'on n'a pas su être réaliste comme Rennes. Il serait bien de marquer au moins un but avant la mi-temps parce que sinon ça va être très compliqué quoi. En plus Cazerie qui joue face à son ancien club, il aura à cœur de marquer. Sors pas, sors pas, sors pas. Appuie toi pour le centre. Haaland! Allez Haaland, tu dois gagner ton duel. Cazerie. Cazerie. Oh oui! Allez! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible les gars! Arrête! Bangot, tu dois la mettre! Oh non. Et là, Kabak, Mvila qui se craque. Opensia, voilà, à mi-temps. On est mené 2-0. On n'a pas eu de réussite. Voilà, Rennes a fait deux tirs de but. Et derrière, après le deuxième but, on a poussé, poussé pour marquer, mais on n'a pas su mettre ce petit but. Donc du coup, ça va être très compliqué pour revenir, mais bon, on va essayer de tout donner, hein. Je pense que si on arrive à marquer un petit but assez rapidement, ça peut aller très vite derrière, mais... Et pour ça, il faut le mettre ce petit but et c'est pas évident. Un jeu Haaland, super avec Traoré. Voilà, un petit corner, allez. Et Cabaye. Voilà, le gardien, on va l'avoir. Bon gars, boum. Ouh, magnifique! Oh, magnifique, bon gars. Voilà, il a eu une grosse occasion tout à l'heure où il n'a pas eu de réussite parce que ça a été sauvé sur la ligne. Mais là, il la met magnifiquement bien. Oh putain, je pensais pas. Hein. Boum! Oh, elle est magnifique, cette frappe de Bonga. Ça doit être son deuxième but en Ligue 1, un truc du genre. Voire son premier. Non, deuxième but en Ligue 1, c'est vrai qu'il a pas marqué beaucoup. Mais bon, il fait plaisir celui-là. Ça nous permet de nous redonner de l'espoir. Oh, magnifique! Oh, Bonga! Oh oui! Oh, l'arrêt, c'est pas possible! C'est pas possible! Oh non, c'était magnifique, Banga. Et Cazerie qui met une grosse frappe. Oh le réflexe, c'est pas possible, les gars. Apensia, Sateo Hernandez, le centre, oh, il est magnifique, il est magnifique. Ah ouais. Ah là 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 là, on a manqué nos occasions et derrière Rennes en contre. Le centre de Hernandez, il est magnifique. Rüffy qui fait un arrêt incroyable. Et... Bon, après, derrière, ils ont de la chatte, quoi. Et ça fait 3-1, le match est plié. Une dernière action pour l'honneur. Pour l'honneur, les gars, avec Banga. Remet à Cazerie. Un peu de réussite. Et hors-jeu, ouais, hors-jeu, le bâtard. Ouais, mais c'est une frappe contrée, hein. Donc au final, tu peux ne pas mettre hors-jeu. Ouais, mais pour moi, je sais pas. C'est le défenseur qui la met, donc à partir du moment où c'est le défenseur qui le touche, je suis pas sûr qu'il y ait hors-jeu, mais bon. Voilà, c'est terminé, défait 3 buts à 1. C'est dommage parce que franchement on aurait pu mériter mieux, mais on n'a pas su mettre des occasions. Voilà, 2-6 à 6, ouais. On méritait clairement mieux, mais voilà, on n'a pas été réaliste, on a manqué trop d'occasions. C'est comme ça. Du coup, épisode mitigé, hein, parce que 3 matchs en championnat, 2 défaites pour seulement une victoire. Pas sûr qu'on va rester sur le podium. Si on est quand même sur le podium. Hein. Putain, on aurait pu faire une grosse affaire si on aurait gagné. Et du coup, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Tiens, une petite nouveauté que j'ai envie de faire aussi sur ma chaîne. Ce qui serait sympa de faire, c'est qu'à chaque fin d'épisode, dans les commentaires, vous me dites pour vous qui a été le meilleur joueur. Ceux qui vous a le plus plu, qui. Voilà, si vous avez un joueur à citer, l'homme de l'épisode, on va dire. C'est pas l'homme du match, c'est l'homme de l'épisode. Le meilleur, tout simplement. Donc voilà, ça peut être sympa, ça vous permet
être actif et d'interagir avec vous, c'est plutôt sympa. Putain, mais on peut vraiment revenir assez très serré, hein. Franchement, même si on a perdu dommage dans cet épisode, franchement, c'est très serré. Du coup, prochain épisode, on va jouer deux fois Nantes. Donc là, on va pouvoir faire tourner en coupe, c'est bien. Ensuite, Nîmes, et ça en quoi? Coupe nationale, en Coupe de France. Et ça en quoi? 16e. Ouais, bon, on a le tirage, il était pas ouf. Putain, j'aurais bien voulu tomber une équipe de Ligue 2, quoi. On a fait quoi au premier tour? Ah, non, on n'a pas joué au premier tour, ok, c'est la première fois qu'on est en compétition. Il me semble qu'on est éliminé en Coupe de la Ligue. Ah oui, on s'était fait sortir par Lyon, je crois. On va regarder ça. Merde, qu'est-ce que je fais? Ouais, le classement. Hop. Changer compétition. Coupe de la Ligue. On est éliminé. On s'est fait éliminer par Lyon en 16e, hein, c'est ça? Ouais, 4-2, ouais. Attends, on n'a pas eu de chat. En run en compétition, tu joues un derby déjà, en plus à l'extérieur. On va se faire un petit accueil d'équipe vite fait. Et voilà la fin de cet épisode. Gruffier, le boss, franchement, il est toujours aussi énorme. Bashik plus 9 en une demi-saison. Donc clairement, il a moyen de pourquoi pas atteindre les 75 à la fin de saison, ce serait énorme. De toute façon, lui, il va jouer tous les matchs de coupe. Donc, enfin, du coup, bah, tout, il ne reste plus que 1. La Coupe de France, il jouera contre Nantes. Moulin. Silva qui fait son taf, il est pas incroyable mais il fait son taf. Troco très très bon, Fofana qui a fait un très gros match. Ah il est prêté maintenant, oui c'est vrai. Nadé, je vais le vendre. Parce que bon il sert à rien. Saliba très très bon dès qu'il joue mais le problème c'est vu qu'il est que prêté par nous, c'est pas ma priorité. Chichibobo qui a fait un super match, plus 4, Mukudi plus 4 très très bon. Kolodziejczak plus 1, Perrin moins 1 mais il est toujours super performant. Soko plus 2, Paensia plus 1, très très bon, Debuchy moins 1, mais il est bon quand même. Mvila, au milieu de terrain très bon, Aouyo plus 1, Bouanga qui a fait un super match contre Rennes, en espérant que ça lui serve. Nordin par contre il augmente pas assez, je suis désolé, mais plus 1 c'est pas suffisant. Djussé plus 2, Kabaye, ah non il a pris un moins 1. En moi j'ai cru qu'il a pris un plus 1, mais non pas du tout. C'est normal, il a 33 ans. Youssouf plus 2, Camara plus 1, Boudbouz. Qui ne monte pas, mais c'est normal. Medkedim plus 2, Oudin plus 1, Honora plus 1, Abi plus 4, c'est pas mal du tout. Vanir plus 1, Traoré plus 1, Ghezali qui prêtait, Châteauroux qui a pris un plus 1, Kazri qui monte, ça augmente pas, c'est normal. Kada plus 4 pour Haaland, et Boadou qui n'augmente pas, mais bon, il va en arriver. Et Gay 1 plus 1, qu'est-ce que je voulais faire? Regardez les stats, c'est qui mon meilleur buteur? C'est Kazri, les gars, 14 buts. Bon, on enlève 3 buts aux Coupes internationales. Il a mis 8, 9, 10, 11. Il a mis 11 buts et 3 passes D. Donc très très bon. Suivi de Boadou qui a mis 7 buts, 3 passes D. Boudbouz, 5 buts. Berich de 4 buts. Pas mal Berich. Après on trouve le petit Nordin qui a mis 4 buts quand même. Et le petit Traoré qui a mis 2 buts. Non, 3. Pourquoi 3? Ah oui, la Coupe de la Ligue, j'avais. Il a fait pas mal de passes D donc ça c'est intéressant. Bref les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Roulian, ciao.